peu sur le côté. Normalement, la zone. Mais si, c'est des encadrements de porte là. Ah bah, je sais pas si tu peux les remettre, tu peux pas les remettre maintenant. T'as tout pété. Je veux te dire. Il fallait, on avait pas le choix, monsieur. La zone est censée se trouver dans ce coin là. Hop, voilà, tu peux t'en servir pour faire du feu pour l'hiver. C'est de la merde, allez hop. Pour te réchauffer le fiac là. Hein. Mayday, 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 mayday. Hop. Ok les gars, c'est moi qui t'apprécie. Je suis à l'endroit où on va trouver la clé les gars. Venez. Mais t'inquiète, je t'apprécie autant que Confluence. Putain mais quel rêve de merde quoi. Putain on est j'en peux plus, c'est rêve de geek. Je n'en peux plus. Putain. Il fait allez, nuit. Arc, là. Il y a un emplacement avec Douloupel là, ici Douloupel, Douloupel, dépêche-toi. Mais pourquoi je peux pas sauter avec les carapaces de tortue? Mais non, mais toi c'est pas possible, tu l'as pas rechargé, t'as pas appuyé sur E pour recharger les tortues là. Putain, je vais casser la gueule. Je savais que. pas appuyé sur le bouton. C'était tellement. Putain. La lampe elle est éteinte. Bah rallume-la, putain. Pas possible. Ça te permet de savoir et de voir si à un moment donné tu maîtrises le jeu, si tu es altruiste, si tu as envie d'aider tes copains ou si tu en as rien à foutre. Ouais, je suis là pour t'aider. Dépêche-toi, putain. J'arrive. Wotan, c'est le gars qui appelle Orange, mais pour dire que sa box marche plus, mais elle est débranchée en fait. Ah, oh, tu parles, mon gars. Franchement, quand j'avais des soucis techniques, j'étais le mec qui appelait, qui avait fait 150 checkpoints de checklist pour tout vérifier. Ah ouais, mais. Tu peux faire un feu de camp. T'es toujours pas arrivé. Oh non, mais c'est un truc de ouf d'être aussi. Mais comment tu fais pour aller plus vite? Non, mais. T'as déjà utilisé des Elytra? Oui. Bah alors je suis en train, comment tu fais pour aller plus vite? Tu. Bah j'utilise une fusée. Tu descends. Tu perds en altitude. J'utilise une fusée. Alors Wattad, ça va plus là. Ça va plus. On est plus potes. À partir d'aujourd'hui, on est plus. Mais qu'on est plus potes. C'est pas possible. Le dernier live. C'est profiter dans le chat et dans le live. C'était le dernier. C'est fini. C'était le dernier. La DRDDR. Aïe, putain, comme il disait à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, la DRDDR. En plus, je me suis écrasé comme une merde à côté. Mais mec, t'es même pas terrible. Ah, vraiment. Oh, ah. On se calme un peu. Ça y est. Bon, tu vas arriver pile poil. Venez, les gars. On est au fisc pour choper autant d'objets ou quoi? Ah, maintenance A. Voilà, on est le bunker, maintenance A. Il y a une petite cinématique, venez dessus. Comment je fais? Il se passe rien. T'appuies sur E, normalement. Non, mais il faut attendre qu'il ouvre la porte. Ouais, faut peut-être. Ça se trouve, il y a que moi qui l'ai, du coup, ouais, quand je l'ai ouvert. Oh. Il n'a pas de force, il met 15 minutes pour ouvrir une porte. Il bloquait le chemin avec son gros siac, c'est tout. Mais c'est pas moi, putain. Vous êtes désagréable. Je vous le dis, vous êtes désagréable. Oh, j'ai défoncé un aspirateur. Il y a un viseur. Il y a des bébés, il y a des bébés. Bébé. Oh bah il est. Laser. Eh les bébés, ils vont chercher Clem, attends. Arrête, dû les laisser. Vas-y, laisse. Trop tard, ils t'ont pris pour cible. Il y en a d'autres là-bas. Ah. Pourquoi ils ont mis une musique comme ça? Afternoon in was discovered. T'as pas dingue. Les mecs, qu'est-ce que je vous sers? Regardez ici là, il y a quelques petites bouteilles. It's cocktail time. Yeah, cocktail time. Qu'est-ce que je vous sers, les bien. Je veux bien un cocktail Molotov. Si tu veux. Ah, t'es comme ça. Ah voilà. Et on a l'emplacement du bunker à nourriture. Vous vous rappelez du bunker à nourriture qu'on avait fait? Ah, il y a une lunette viseur laser. Ok. Cet après-midi, nous avons découvert un tableau de Puffton Personal Collection qui était manquant. Ah oui. Le tableau manquant. Oh, il y a des ramen ici. Ramen. Et voilà le pass, la clé de Karl Planter. Edward Pofton. Et ça a pistonné jusqu'à la salle de bain, putain. Alors, panneau solaire, on l'a pas exploité encore, ça. Non, mais faut qu'on l'exploite dans notre base. Il y a de l'encre ici, si vous avez besoin. Ça permet sûrement de faire des systèmes. Alors, par contre, peut-être je mettrai un emplacement parce qu'au moins, tu vois, si on a besoin de bulbes de lumière, parce que tu vois, je me demandais où est-ce qu'on pourrait en trouver. Il y a des bulbes de lumière. Des ampoules, oui. Des bulbes. Si on a besoin de panneaux solaires et de. Oh la Laissez-moi finir ma phrase. On a besoin de plateaux générateurs de courant. qui c'est qui veut le dernier Lancôme ici là? Regardez. T'as vu Otan, j'ai un couteau à arbre en main. Faudra le noter avec un GPS parce que du coup il y a beaucoup de crafts qui demandent des ampoules et jusque là bon on s'en est pas servi mais quand on en aura besoin du coup cet endroit sera utile. Elle est ici. Oui je crois qu'elle a été contre un mur. Ah bah tiens voilà. Tu vois. Maintenant qu'on a les nouvelles coordonnées, le bunker à nourriture, regardez, il est pas loin. Donc là, on va sauter de la falaise, on va directement à l'icône nourriture. Si vous dézoomez, vous la voyez, c'est une icône en vert. Quand même, parce que. Ah, mais moi, à chaque fois, ça me fait beaucoup rire. Hein. Allez, c'est parti!
Suivez la rivière pour prendre de la hauteur. C'est rare que vous y arrivez tous les deux du premier coup. Normalement, il y en a toujours un qui rate. Moi, j'y arrive tout le temps, mec. C'est souvent Dark. Et que au début. Franchement, ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Wotan. Oh, Wotan. Oh, Wotan. Ouais. Quoi? Oh. C'est tout le temps Dark, le fautif, quoi. Oh, cette mauvaise foi, là. Oh. Oh. Ça me déglingue. Allez, on est arrivé. Nyon, attaque en piqué. J'adore m'écraser comme ça. C'est d'une violence, le bruitage. Attends, il y a un connard, là. Ils sont là, il y en a plusieurs. Ouais. Franchement, il s'appelle Dark, hein. Pourquoi tu l'appelles comme ça? C'est mon deuxième prénom, c'est Connard. Allez, go! Connard. Les, venez les bulbes de lumière. Laisse-moi tranquille. Pardon. Oh! Ah, c'est là où il y a les apéricubes pourris, là. Oui! Ah, yes! Ah merde! Un saumon, mon préféré! Un saumon! Saumon! Et voilà, du coup, je suis full à carreaux d'arbalète, c'est ça. À chaque fois, je me plaisais que j'avais pas de flèche, mais parce que j'avais des carreaux d'arbalète. Et du coup, je pense qu'on va aller. C'est ici qu'on a l'arbalète, je crois. Ah ouais? Les armes à distance, tu les gold, ça sert à rien, c'est que pour les mêler? Ok. Je peux noter. Oui, mais vu que nous on est riches, on gold tout ce qu'on veut. Ah ouais, mais en même temps, t'es dans un bunker au milieu de l'île. Tu sais, c'était ici qu'il y avait la culture de bœufs. Ah oui, exact. Ah oui, c'est ici que ça ressemblait à la part de Delors. Et c'est ici qu'on trouve l'arbalète. Oh, quel bâtard. Ça balance, putain. Delors, ça fraude et ça utilise l'argent des impôts pour faire de la gancha. Attends. Normalement, il y a un mec à terre ici, là, quelque part. Ah, il y a les ça bébés. Ça toque chez toi, Delors. Ça toque chez toi, putain. Ah bah si, on le fera quand même parce qu'on est riche. Tiens, voilà, l'arbalète ici. Arbalète. Tu crois qu'on peut prendre de l'eau dans cette merde là? Elle est belle, y a un bouquet, il y a un mélange. Honnêtement, c'est l'arbalète. Un bouquet émissaire. Magnifique. L'arbalète est belle. Je voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Quand même de dire qu'on a. Y a un gigabitax. Ah ouais, on évite de dire qu'on a quelques kilos de cocaïne chez nous quand même. Ça, tu le déclares pas, t'évites quoi. Il arrive. Oui, c'est vrai. Putain, mais j'arrive pas à tirer sur le gigabitax. Attends, le multi-anus c'était pas mal aussi la dernière fois. La multi-fiac. Mais j'arrive pas à tirer l'arbalète sur ses jambes là. Ah bah voilà quand même. Oh putain, je suis encore mort, j'en ai marre. Je suis à deux doigts de créer un wiki juste pour ça quoi. Faut que je mette un viseur sur l'arbalète là, en fait on vise que dalle. Et après par contre, si tu fais un wiki, mets de l'audio comme le Pokédex. Gigabitax. Ah si, quand même. Se déplace souvent en bande, ressemblant à un phallus vertical. Putain, mais je suis un full inventaire de cordes, de batteries de ses morts, de circuits. C'est là où on va dans la flotte normalement. C'est joli par ici. Ça me satisfait. Moi un peu moins quand je vois les étincelles d'électricité au plafond. Franchement, mec, on en avait déjà parlé l'autre fois, mais aucun problème. Ouais, bien sûr. Ouais. Ils ont changé quelques petits aspects graphiques vite fait, tu vois, très tranquillement, je crois que l'eau est plus claire. C'est un peu plus transparent, il y a des petits détails en plus. C'est pas énorme. Pourquoi on nage alors qu'on est à pied, bordel? C'est les caméras de surveillance, tu te rappelles, on était rentré, on avait fait... Ah, tiens, des nouvelles coordonnées. Avec une carte, c'est quoi ça? This is where the boat arrived, then they left abandoned there. Ah, c'est là où les bateaux sont arrivés et ils ont été abandonnés ici. C'est vraiment full Resident Evil l'écran. Et là on a le bunker, résidentiel. Tiens, tu voulais une canette, il y en a une ici. Ah, nice lu. Je vais prendre. Someone needs to tell the Puffton, quelqu'un doit dire à Puffton, je ne pense pas que quelqu'un a mis wing machin. Ok. C'est ce truc où ils étaient au banquet. Voilà, c'est la salle où on affronte après. Et là on a une nouvelle carte. La carte de Birgit. Oh, c'est la carte de Birgit. Elle s'appelle pas Virginia, elle s'appelle Birgit. C'est Birgit Puffton. Revenu. Vous avez pris les munitions et les rails de fusil à pompe, ouais. Ouais. Tu sais que déjà dans la dernière aventure, je crois carrément je l'avais oublié. Attends. Oh oui, tu es trempé, Dark. Oh merde, j'ai déclenché une animation. C'est quoi que t'as déclenché comme animation? Je sais pas, il court dans la salle, cet idiot de merde. Zidax. Tu me vois courir comme un imbécile? What, y'a des humains là-bas? Oh putain, merde, t'as skip la cinématique, attends qu'est-ce qui se passe.
quoi ton cours vers eux? Enfin, je cours vers eux du coup. Ah, ils vont se transformer tout. Ah, putain, oui, on avait pas eu ça. Ok. Donc en fait, c'est le mec, je crois qu'il nous avait assommé, c'est ça? Ah, mais ils ont peut-être plusieurs phases maintenant. Ouais, elle a fait des 350. Il faisait 4m92. Puff Corp. De la même façon. Hein. Mais il y en a combien là? Ah non, là il est là, d'accord. Attends, Dark, j'ai avec toi, histoire qu'on focus le même et tu vois. Bah pour l'instant, moi c'était la meuf que j'ai pas mal dégommé. Après, il y a tous les. Oh, les tapes qui volent. Oh, je me suis pris la tornade de Konoha! Oh! Konoha Senpu! Mais j'ai pas le temps de prendre. Putain, une arme là! Le nombre de balles que je lui mets, il meurt pas quoi. S'en est pris des balles. Je t'ai décapité! Oh non, mais je lui ai encore pris la tornade de Konoha! Non! J'ai plus d'armure. Faut que je me mette à l'abri, attends. Ah, je peux pas aller là! Merde! Attention, Wotan. Je suis dans la merde! Je vais mourir! Merci. Attends, on arrive. T'inquiète, laisse faire les vrais professionnels, Dark Evan. Mets-toi en retrait. Ah! Le bâtard! Je vais prendre l'armure ancienne. Putain, je suis en train de me faire. Si vous avez plus d'armure, prenez l'armure ancienne. Hein. Focus sur le mec en. Ah merde, vous êtes sur l'autre, putain. Attends, je vais vous aider. C'est bon. Oh. En même temps, j'en avais mis pas mal de coups de hache dans la tronche. Vas-y, viens, focus celui-là. Oh, on peut récupérer sa peau à elle. Ouais, ouais, je me suis pris une flèche au passage. Tiens! Oh, la balette, t'as vu? Allez, vous êtes prêts? Ok, go. 3, 2, 1. Ah, ils ont complètement changé parce que les Puffton de base c'était juste des monstres, je crois. Bah, c'était des monstres là quand même, hein, mais ok. Enfin, non, mais c'était. Là, tu vois, ils sont sous forme humanoïde. Ouais. Oh, il a pas dit le signal. Go! Ça marche quand même. Edward Puffton. Barbara Puffton. Yeah. Donc là, dans ta cinématique, on est d'accord, t'as vu le mec qui nous avait assommé au tout début, qui leur a dit un truc. Je sais plus si c'est lui, mais il y avait un idiot et puis. Du coup, je crois qu'il a dit c'est les Puffton ou je sais rien. Après, il y a eu les Puffton, puis ils se sont fait embarquer, je sais pas quoi, puis ils sont arrivés. Peut-être c'était juste des invités. Parce que j'ai l'impression qu'il les a tirés vers le bas, mais j'ai pas pu voir comme j'avais pas la cinématique. Non, avec les zombies justement. Bah, les zombies, c'est déjà les abonnés, non? Putain. Pardon. T'excuses pas. Faut l'assumer. C'est pour faire style. Ah, ok. Parce qu'en vrai, évidemment que je m'excuse pas. Je vérifie quand même s'il y avait pas un truc en bas. Pas très sympa, ça, je trouve. Ouais, j'avoue. Attends, je vais faire comme toi, Dark, je vais mettre l'armure méga, je sais plus comment il s'appelle là, parce que c'est une armure de Serial Vitax. On avait dit comment, elle se dégradait comment cette armure là? En fait c'est juste que elle se dégrade jamais, mais par contre tu peux perdre de la vie quand tu prends des coups. Ah ouais, ok, ouais, mais it's ok parce que plutôt que d'être à walpé, ça me va bien. C'est vrai que si on croise du minerai, faut pas hésiter parce qu'on en a plus. C'est ça, j'ai cru, ouais. Mais Dark, c'est vraiment un gueudin, c'est un putain de gueudin. Tu vois Mbappé, le footballeur? Exactement, ouais. Mbappé, le footballeur? C'est vrai. Alors, t'as entendu parler qu'il avait le nez cassé en ce moment? Avec son masque là, son masque. Et bah ouais, bah c'est Dark, mon gars, il l'a croisé, il a fait quoi? Tu me regardes au travers? Exactement, ouais. Mais de toute façon, j'ai toujours vu qu'il y avait un point commun entre lui et Dark. Ah bah voilà. Ah voilà. Là on est en mode Call of quoi, c'est-à-dire qu'on tire sur tout. Ah, mais j'avais pas vu que vous l'avez remonté encore. Bah oui, mais je viens de te dire. On t'a dit qu'on l'avait remonté. Mais du coup tu regardes pas. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah c'est bon, je me suis envolé hein, donc c'est good. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais Wotan? Ah tu veux le monter encore? Il faut monter encore. Hein. Moi c'est good hein, je suis parti. Bah mais il s'est barré lui, regarde. Je fais la télé bleue. Allez venez. Non c'est bon ça marche bien là votre pente. Allez très bien. On y va. Vous pouvez passer au travers des cimes des arbres hein, donc c'est pas. Vous allez pas rentrer en collision si vous passez au-dessus. Nous sommes jour 31. Il y a même un banc. C'est bien ça. Alors je vérifie, j'arrive. Oui c'était ça. Ok c'est bon les gars, venez. Je crois. Attends. Attends juste 45 minutes et on arrive. Hein. Qu'on continue à monter la structure. Au pire, je repasserai vous voir juste pour le plaisir.
il y a un truc qui avait besoin de la carte. Donc c'est bon, les deux endroits qu'on avait trouvé avec la carte, on sait où ils sont. Il y a un connard là. Attends, oh, j'arrive. Par contre, j'ai trouvé un truc inédit. Ça, on connaît pas. Voilà. J'arrive. C'est good, il est dead. Attends, je vous attends là. Parce que je me dis, s'il y a de l'encre comme ça, moi je pourrais me faire un morceau aussi. Mais ouais, je crois que l'armure tech, oui, on l'avait testé. Enfin, quand, dans l'ancienne version, en tout cas, quand tu la mettais, c'est pareil. Hein, tu prenais des coups et après, ça tombait quoi. Ah, donc là, il y a des petits trucs à drop. Eh ouais, t'es où? C'est ouf, hein. Après, j'ai pas été plus loin pour pas déclencher le truc. Quand tu vois l'ambiance et la musique, t'as l'impression de rentrer dans une boîte à cul, quoi. En mode, oh baby, let's go. Voilà, tu sais qu'il y a des MST qui sont déclarés ici, clairement. Ah, là-bas, il y a des zombies. C'est pour ça que j'ai pas été plus loin que cette pièce, parce que je savais bien que ça risquait de déclencher des trucs. Y a de la boisson ici, si quelqu'un a soif. Ouais. Ouais, bah, je prends juste les petites boissons qui traînent. Y a des mutants ici. D'ailleurs, vaut mieux la grande hache ou la petite? Ça dépend si t'as l'habitude de manier quelque chose de gros ou petit, hein. Comme tout, hein. En vrai, je sais pas. Parce que la petite hache, elle est goldée quand même. Ah, c'est le cas de le dire. Hop là, attention, que je mette pas un coup. Oh, c'est trop tard, je crois. Vous êtes mis un coup. Oh, cette musique qui sent le sexe, quoi. Ça, c'est clair, c'est ici qu'on a fabriqué 2-3 générations. Plus. Vas-y, viens nous voir. Et attention, t'as un autre tout nu à côté là, Clem. Hein. Oh, c'est stylé les lumières au salon là. Ouais, grave. Putain, y'a un mec qui est venu par derrière et qui m'a tué, je suis par terre. Putain, c'est vraiment un salaud le mec qui t'a touché par derrière. Franchement. C'est toi, Dark? En fait, évidemment, le mec t'a couru dessus, j'ai voulu te sauver. Et en fait, il s'est barré, je t'ai planté un carreau d'arbalète en pleine tronche. En fait, moi, je l'ai juste vu sauter au-dessus de moi. Je me suis dit merde, j'ai pas vu pendant que j'étais en train de faire l'autre avec Clem. L'autre, il est arrivé derrière, il m'a tué quoi. C'est vraiment dégueulasse. Mais je suis d'accord. On ramasse le bitax. On se cale dans un bain, venez. Non, je fais tout le tour parce que. Ouais, y'a des mecs qui sont. L'air détente là. J'entends de l'eau. Attends, vous avez bien tout fouillé? Y'a un bitax là. Eh les gars, y'a des médicaments, ici. Ah, y'a les jumeaux après derrière. Quand je recharge. Voilà, je peux le tabasser. Oh, comment il a craché. Grave. Un sniff. Je m'attendais à trouver vraiment quelque chose. Oh, il y a un escalier et tout. Oh, mais mec, c'est une dinguerie ça. J'allais dire, on peut monter hein, de ce que je vois. Ouais. Alors attention, il y en a qu'un seul, j'ai l'impression là. Ouais. Il est là-bas. C'est l'heure de le champagne. Vas-y, il est sur moi. Attends, je ramasse mes flèches en même temps. Ouais, nickel. Putain, je tombe dans la flotte. Ah. Ah, super, GG. C'est très violent l'arbalète, hein, vraiment. Attends, je recharge mon arbalète. Ouais, enfin après c'est pas différent de mon salon, ça. Là, finalement, dans ma cave, quand je vais un peu au bout de mon couloir, ici, là, normalement c'est pareil. Ici, vous savez, ça gagne bien le Luxembourg. Flying Ladies Circus. Vous avez un petit truc ici, là, si vous voulez regarder. Ouais, tu sais quoi, ça annonce rien de bon, ça. Ouais, c'est Shiva à plusieurs bras, là, ça... Ouais, alors soit on va retrouver les Elastic Boy, là, qu'on l'a vu, qui se baladaient en mode caoutchouc... Caoutchouc du Berry, mais à mon avis, ça va pas être sympa. Elle est sexy la piscine, hein. Oh ouais. T'imagines, t'es calé là, putain. Ah, avec le bar au milieu, non mais attends, mais c'est trop bien. Putain, ouais. Oh là là, attends, j'ai regardé au milieu quand même, s'il y a pas un item à un moment donné. Ah c'est classe. Ouais, parce que ça, tout ça, putain, ils ont rajouté des choses, hein. C'est ultra classe, là. La truc avec la bouée flamant rose là, ça me rappelle le monstre flamant rose là. Il y avait un petit jeu d'horreur qui était sorti à un moment où t'avais un flamant rose qui faisait que de te regarder de manière creepy et qui te fonce dessus en te regardant. Ça rappelle un peu cette vibe. Là, il y a une porte à carte d'accès bleue. Je pense qu'on l'a. Mais avant, peut-être on va continuer. Mais, all attends. Monday.
Il y a le bar hein, qui est accessible là. Waouh, mais c'est incroyable. Oh, t'as vu, il y a un mec qui. Oh, il y a une guitare. Oh, il y a une guitare. Oh. Attends, je vais jouer. Oh, regarde, tu peux jouer. Ah. Allez, va-t'en, je peux taper avec. C'est devenu une arme. Oh, c'est une arme de guitare. Trop bien. Et ah, la... je suis deck, je croyais que ça servait vraiment à jouer. Et la guitare, tu peux la colder. C'est relou à bouffer. On a trouvé un album de musique Bad Pivot. Donc, ouais, c'est leur morceau. Ouais, il y a de la thune qui s'est dealée ici. Hein. Ça ouais, paye des impôts en douce de l'or. Bah, de l'or. Oh putain, il y a un plan avec tous les boomkers de la carte quasiment. Note de tous les employés, monsieur Puffton désire au digital comédien. Il veut que toutes les communications digitales soient quand même imprimées. Ne laissez pas des copies digitales sur vos communications et machin, etc. D'accord. C'est où que t'as trouvé le plan? Je kiffe quand le mec il a une bouteille dans la gueule là. Et il y a aussi Ah oui, t'es loin toi. Il y a Helipad Doc, Culinary Bunker, Maintenance, Entertainment Bunker, Résidentiel Bunker, VIP Bunker. T'as récupéré le petit vinyle là? T'as pas fait la salle là ici, Clem? Non. Je suis rempli de bouteilles de feu, je peux pas en crafter plus. Ah oui! Oh, les bunkers! Prendre photo de ça avec ton tel. Bah, tu peux la récupérer, de toute façon, tu peux les re-regarder celle-là. Tu peux les sortir ouais, quand est-ce tu veux. Que l'un nous aura pas la flemme. Non, moi je le ferai, t'inquiète. Bah nickel, parce que moi j'ai la flemme. C'était des collages de l'hélico avec VIP. On a des haches, on a des. Sans déconner quoi. On a des molotovs, on peut mettre le feu à ce putain de canap. Il ne manque plus que la carte de... Il ne manque plus que la carte de Wiggy et on est bon. Non, bloqué par un canapé, c'est vraiment terrible. Mais ouais, tu vois, c'est rageant, tu fais un effort, mais t'es autre chose au moins, quoi. Je passe ma carte. Ah, il y a des destinations, là, ici. En nice. Ah, oh, cette petite musique, mon gars. T'as vu, elle est... Félicitations, Frank Sorrelton, 900 AD, and 3 times in 70, we have to get everyone out... Quoi? Les calculs ont fonctionné, ça a trigger plusieurs fois en 900 AD avant... Et trois fois dans les années 70. C'est pas... Tu sais, on parlait de voyage dans le temps. Ouais, non, mais oui. Tu vois. Ouais, bah j'ai l'impression. Alors après, j'ai peut-être mal traduit, mais... Bunker de maintenance B. Ah, des balles de fusil à pompe, c'est bien. Ouais, oh, il y a de l'encre. Ouais, videz l'encre parce que... Ouais, si bah, vous voulez faire. Que... Ah, il y, y a une mallette avec du scotch, là. Oh, quand même, j'avoue. Putain, qu'est-ce qu'on est bon, bordel de merde. Très efficace. Ah, putain, la musique de merde, elle est enfin terminée. Attention. Quand je vous le dis, vous me mettez en présence de cette musique trop longtemps, je tue tout le monde dans la pièce. Je l'ai one-shot, le gars. Il a même pas eu le temps de dire bonjour. Les musiques zen comme ça, ça me tend de ouf. Doris, est-ce que tu as du temps pour un petit verre? Ah, ça drague. Cube of the Vacuum, same opinion, d'accord. Ouais. J'avoue, on sait d'où viennent les bébés maintenant. Ouais, la lumière Discord fond blanc, là, ça fait mal. Hein. Oula. À gauche. J'ai Gigabitax. Attends, je tire le genou. Ok, j'ai tiré entre les genoux. My bad. GG, t'as touché le canapé. Vas-y. C'est comme ça que tu as résolu le compte à rebours. On a également 3 semaines avant la prochaine activation. Oh, ça sera peut-être non, mais utile, c'est ça. C'est sûr. Moi, je prends des photos, des trucs intéressants. Tac, voilà. Pas de spoil. Alors il y a le couloir après qu'on verra. Ah, il y a des bébés là-bas. Oh, c'est Puffton. C'est Puffton. Et on va arriver dans là où il y avait le canapé bloqué, non? Oh, la tronçonneuse! Putain, déforestation, mon gars. Ah, mais elle est là maintenant. Avant, on l'a trouvée dans une grotte. Oh, let's go! What the fuck, c'est quoi ce truc là? Elle a changé par contre, la tronçonneuse. Ah, trop stylé. Mais c'est une tronçonneuse qui tourne avec des piles. Ah ouais, tourne avec de la batterie. Lisez les sous-titres. Il est riche en matériaux appelés le solafite. Ce matériau contient des propriétés uniques anti-âge. Les textes anciens décrivent ce cube construit à partir de ce matériau. Le cube s'active à des intervalles spécifiques précédemment inconnus. Selon ces textes. Récemment, nos chercheurs ont déchiffré son cycle d'activation. Et nous anticipons l'activation amplifiera les propriétés de rajeunissement du solafite. Réinitialisez votre corps et vous-même.
Enfin, c'est ça qui est parti en couille en fait. Ils se sont mis dans leur bunker et ça les a transformés en mutants en fait. C'est ça en fait. Jeunesse intemporelle. Enfin, c'est un peu dans le même délire que déjà qu'on avait au premier. Hein. Ils cherchaient de la jeunesse éternelle, je crois. Hein. Exactement. On est d'accord. Attends, je sais pas si j'ai raté. Bienvenue, une communauté souterraine sûre pour quelques privilégiés. Ouais, c'est ça. Ils étaient dans leur bunker. Ils attendaient que le truc s'active. Et ce qu'on a vu sur les caméras de surveillance, c'est le moment où le cube s'est activé et ça les a transformés en mutants en fait. Je pense que c'est ça. Oh, mec, avec ses Kellogg's. Ça m'a tué, j'ai vu ton animation. On aurait dit un mec de Fortnite en train de bouffer ses popcorn.